le parti de gauche au nom duquel je ne parle pas, puisqu'il a des responsables pour ça, dont Laurent Levard, Ève et combien d'autres camarades, a assez curieusement bouclé son premier programme catégoriel dans l'agriculture. C'est un fait qu'avant même qu'ait été rédigé quoi que ce soit d'autre, nous avions un programme agricole. J'ai donc été, en quelque sorte, l'élève de l'élève de Marc Dufumier, qui a enseigné Laurent Levard, lequel Laurent Levard a enseigné tout le parti de gauche. Merci. Et de ce fait, il y a une culture collective au parti de gauche des questions agricoles, qui fait que cette question n'est pas la question agricole. Elle a pu trouver naturellement sa place lorsque, faisant notre travail, Corinne Morel-Darleux et moi, nous avons mis en place un cadre intellectuel plus large à l'intérieur duquel l'ensemble des problèmes catégoriels pouvaient trouver leur place, qui est les assises de l'écosocialisme. C'est donc d'un point de vue écosocialiste que je m'exprime à ce moment, c'est-à-dire dans une volonté de, comme l'a dit Corinne tout à l'heure, non pas saucissonner les problèmes, il le faut. C'est le mécanisme même de la raison, hein, de la construction de la raison, c'est de distinguer, de séparer, etc. Puis arrive le moment où, ayant bien distingué, il faut de nouveau rassembler dans une compréhension large. Ces deux mouvements doivent avoir lieu, y compris dans le sujet que nous traitons. La doctrine de l'écosocialisme postule comme article 1, il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Par conséquent, ce que nous défendons, ce n'est pas la nature en général, qui se moque absolument de nous, et de toute façon continuerait tout à fait sans nous, car nous ne sommes rien pour elle, ou peut-être sommes-nous quelque chose, mais nous ne savons pas quoi, par rapport à l'équilibre d'ensemble de l'immense univers en expansion. Nous défendons l'écosystème compatible avec la vie humaine, et il nous semble que l'ensemble de ce qui est sous nos yeux, que nous avons à connaître, ou que nous ne connaissons pas, puisque la dernière expédition maritime, qui, comme vous le savez, drague dans les océans, a découvert 110 000 espèces nouvelles, et nous savons que dans les océans se trouvent 95% des espèces à découvrir. Donc en réalité, nous ne savons pas grand-chose sur le monde vivant à l'intérieur duquel nous prenons place, sinon que nous avons l'illusion qu'il est possible de le maîtriser absolument et sans discernement d'après des visions que les uns ou les autres ont élaborées, ils le pensent d'une manière naturelle. Bref, il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Donc nous rattachons tout à ça. De là, nous avons déduit un élément politique, là je parle dans le domaine programmatique et politique et institutionnel, vous allez voir pourquoi institutionnel, c'est la règle verte. C'est-à-dire, nous posons comme règle, en tant que responsables politiques d'un pays et pays essentiel en Europe, sans lequel, normalement, si nous avions des dirigeants et pas des suiveurs, on ne déciderait de rien sans nous. Et à l'avenir, lorsque ce sera notre tour, on ne décidera de rien contre nous. Ce sera une différence assez substantielle. Donc, dans un contexte comme celui-ci, eh bien, la règle verte, c'est on ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer. C'est une règle modeste, mais en même temps c'est une règle dynamique. Elle n'enferme pas dans un dogme, elle n'enferme pas dans un registre que certains appelleraient punitif ou autre. Hein. Elle propose une méthode de travail, ne jamais rien prendre que la nature ne puisse restituer. Voilà le sens de la règle verte que nous avons portée, et ça doit être une règle constitutionnel, à notre avis. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple français ait à connaître de la question de la protection, de sa contribution à la tâche qui s'impose à l'humanité universelle, protéger son écosystème. Dans un instant, je vais dire pourquoi, à notre avis, ce programme-là est presque dépassé, protéger l'écosystème, puisque par maints aspects, il s'agit de le réparer, et pas seulement de le protéger. Ce qui pose des questions d'une complexité inouïe. C'est aux questions complexes que je veux me consacrer, en tout cas à leur énoncé. Mais là, je reste dans cette première partie de ce que j'ai à dire. Une règle institutionnelle veut dire que le peuple français doit s'impliquer, et même s'il n'a pas envie, il doit être impliqué quand même. C'est-à-dire que comme il aura à discuter d'une constitution, il faudra qu'il en parle. Voilà. Et telle est la stratégie révolutionnaire du mouvement que nous incarnons, c'est l'implication populaire, l'implication citoyenne massive dans toutes les questions, y compris les questions politiques, philosophiques les plus fondamentales. Il n'y a pas de politique de changement possible autrement que comme ça. Tous ceux qui sont intervenus à cette tribune l'ont répété,
Et je voudrais vous rappeler des propos que j'ai fait totalement miens, qui sont ceux de Marc Dufumier pendant sa démonstration. Il a dit, ah ben le sectarisme, il devait parler sans doute des organisations politiques, dans ce cas-là, la partie est perdue, mais s'il s'agit des citoyens, chacun pour soi, oui, ah ben le sectarisme, il dit, va falloir ratisser large. Et là, vous avez vu peut-être une démonstration, peut-être plus concrète que mes propos habituels, la différence qu'il y a entre rassembler la gauche et fédérer le peuple. Parce que rassembler la gauche, ça suppose que je m'accorde avec toutes sortes d'olibrius avec lesquels j'ai pas envie de m'accorder, et les autres ne veulent pas s'accorder avec moi. Par conséquent, nous perdons notre temps. Et quand je dis moi, je, etc., vous avez compris qu'il ne s'agit pas de cela. Si nous devons limiter la discussion de la propagation d'une orientation politique écologiste pour changer le pays, ça ne peut pas se limiter à la discussion entre les appareillons, groupuscules, vastes organisations et autres questions de cet ordre, parce que nous n'allons nulle part comme ça. Fédérer le peuple, c'est rassembler une entité qui s'appelle le peuple, c'est-à-dire des gens qui sortent de leur destin individuel, de multitudes éclatées entre d'innombrables activités, à passer à autre chose, c'est-à-dire se mêlant d'affaires collectives et devenant donc le peuple, acteur politique. Ce peuple, acteur politique, il est travaillé de contradictions, et pas seulement la contradiction de classe fondamentale entre les propriétaires, les actionnaires et les salariés, celle-là on la connaît, mais il y a toutes les autres contradictions qu'il s'agit de régler, et qu'on ne peut pas traiter par-dessus la jambe en disant « on verra bien demain », comme on le faisait du temps que j'étais fort jeune, où on pensait que le matin du grand soir, eh ben, tous les problèmes on les réglerait, on verrait à ce moment-là. Le problème du féminisme, on verrait à ce moment-là. Le problème de l'écologie, il sera bien temps de voir à ce moment-là. Non, nous savons que les moyens vont déterminer la fin. Et en quelque sorte, la fin est tout entière dans les moyens, ce qui est vrai non seulement en agriculture, mais aussi en politique. Donc, actuellement, alors nous avons entendu un dessin stratégique qui a été présenté devant nous par tous ceux qui se sont exprimés. Mais il faut, je vais être oiseau de mauvais augure à cet instant, nous sommes en train de vivre non seulement le contraire, mais une aggravation du contraire. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, pour la première fois, l'Europe a décidé d'accepter de légaliser 19 OGM, alors que jusqu'à présent, elle résistait. Mais quand il s'agit des intérêts de la grande industrie chimique, c'est fini, la résistance est effondrée. Trois groupes, parmi lesquels deux groupes allemands, deux groupes, sinon ça fait germanophobe. Voilà, je ne vais pas quand même sombrer dans la germanophobie. Deux groupes venus d'on ne sait où, très importants, parce que figurant parmi les premiers du monde, et manifestant une absence de scrupules et de responsabilité absolue, encouragés par un gouvernement qui a été soutenu par le nôtre, a appuyé cette histoire, 19 variétés d'OGM, et des OGM qui sont d'une catégorie assez particulière, parce que jusqu'à présent, on nous a expliqué que les OGM, c'était pour limiter les pesticides, c'est comme ça que ça nous a été présenté. Or, ces OGM, justement, leur caractéristique, c'est qu'ils résistent aux pesticides, pour qu'on puisse en foutre tout le temps, vu que ça, les autres résisteront pas aux pesticides, les autres herbes, donc elles crèveront, sauf celles qui sont OGM. Ok ? Voilà. Le renversement de la perspective. Donc, voilà la situation, ça a 15 jours. C'est TAFTA, qui est l'instauration, notamment dans l'agriculture, pour toutes les productions agricoles, de l'idée du marché libre sans concurrence qui vienne fausser ce marché. Bon, il n'y a pas 50 exemples à prendre. Je peux en prendre d'abord un sur le lait, puisque si le lait est une... Ce qu'on voit en tout cas dans l'agriculture est une chose inouïe. Depuis que l'humanité est humanité, on fait des stocks. Tout le monde sait ça, qu'une saison ne sera pas la même la saison d'après. Tout le monde sait ça, et que donc, il faut prévoir un peu. Et le capitalisme libéralisé vous dit, mais pas du tout, on prévoira rien du tout, parce que c'est le marché qui va régler cette histoire-là. Bon. Et par conséquent, plus de stock, plus de limites aux productions, allez-y, enrichissez-vous. En 1975, quand les quotas laitiers ont été instaurés, j'étais un humble petit journaliste qui commençait sa carrière de menteur, et les gens protestaient contre le fait qu'il y ait des quotas laitiers sur le thème « vous allez... C'est la planification, c'est insupportable, vous allez réduire notre capacité productive alors que blablabla, etc. » L'Europe, à ce moment-là, était déjà devenue autosuffisante au plan alimentaire grâce aux politiques coordonnées, les politiques publiques, qui étaient celles de la PAC, car il faut examiner une réalité politique dans tous ses aspects. Le fait d'avoir planifié et organisé a permis l'arrivée à l'autosuffisance alimentaire, à un coût social et autre. Que maintenant, dont on comprend toute l'ampleur, mais ne perdons pas ça de vue, parce que sinon, on perd tout de vue, et rien n'est possible. On ne peut pas non plus s'en remettre seulement à la bonne volonté
de chacun. Parce que ça, bon, voilà, maintenant 2000 ans qu'une religion bien connue s'y essaye sans aucun résultat. Bon, et par conséquent, l'action publique, l'encadrement législatif est la nécessité. Et nous devons bien réfléchir à la valeur de ces instruments. En attendant, l'idée que tout devient marchandise et qu'il n'y a plus de limite d'aucune sorte, ça vous donne d'un côté, eh ben, le lait c'est un produit comme un autre, donc puisqu'on a mis 500 vaches, on va en mettre 1000, puis peut-être 2000, et un élevage de porc de 20 000, de 30 000, de 5 000. On ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire. Ce qui est deux violations en même temps. La première, à l'évidence, tout ça va suivre les cours du marché. Quand il y a un prix élevé, tout le monde se met à en produire, donc tout le monde augmente les capacités de production. Il y a trop de production, le prix s'effondre, l'outil de production s'effondre avec. C'est ce que ça a donné chez, dans le cochon et dans tout ce que vous voulez, dans plus d'une production. Ça sera ça à nouveau. C'est-à-dire des effets cycliques qui, à un moment donné, conduisent à un effet de rupture et vous avez derrière un manque, une famine, etc. Et puis la deuxième, c'est que c'est un viol permanent. Là, on parle des animaux. De quelque chose qui devrait avoir une importance, qui est le registre de la sensibilité des êtres sensibles et du traitement qui est réservé aux êtres sensibles dont nous prélevons la vie pour la nôtre. Bon. L'indifférence à ce sujet n'est pas une affaire de sensiblerie, encore qu'on ait le droit d'être sensible et même hypersensible, et ce n'est pas une honte. Ce qui est une honte, c'est d'être sensible à rien. D'accord ? C'est plutôt le contraire. Mais si on met même de côté cet aspect pour ne pas donner un tour sentimental à une expression politique qui serait malvenue, il n'empêche que l'accoutumance à traiter des êtres sensibles de cette manière-là a vite fait de créer une culture. Hein. De la même manière que la culture bureaucratique conduit à ce que des gens vous organisent des déportations de masse, personne n'étant coupable de rien, Hannah Arendt a parfaitement décrit la force tranquille du mal. Quand vous prenez l'habitude d'ignorer la finalité de ce que vous faites et le moyen qui est utilisé, à la fin, vous vous privez de toute humanité. Si je vais à ce rythme, on est là 2 heures. Bon, alors donc là, tarta, le lait, et enfin, je dis, nous sommes dans une déferlante du contraire de ce à quoi nous aspirons. Donc en ce moment, c'est ça qui est à l'œuvre. La politique agricole commune, la précédente, s'interrompt, donc il n'y a plus de quotas laitiers, donc le marché du lait va suivre celui du cochon, et du reste, dans tout le pays, la catastrophe est pour bientôt, et la catastrophe fait partie du plan capitaliste, parce que la catastrophe permet de limiter encore la population paysanne, d'augmenter la concentration, etc. C'est comme ça que ça se passe. Donc ils réussissent à utiliser les dégâts qu'ils font eux-mêmes. Enfin, les politiques de partenariat économique avec l'Afrique finissent de massacrer l'agriculture vivrière. Et donc, ils vont vous dire avec la même mine satisfaite, joyeuse et heureuse, « Ah oui, monsieur Mélenchon, vous pleurnichez, mais regardez, tel pays, eh ben, il n'apparaissait pas dans la comptabilité. Regardez maintenant, le PIB de ce pays a augmenté. » Non, le PIB n'a pas augmenté. Ce qui a augmenté, c'est les productions qui sont monétarisées et qui sont monétarisées sur le marché mondial. Alors ça, oui, ça a augmenté. Mais personne ne compte tout ce qui a été détruit derrière. C'est-à-dire que là où vous avez flanqué toutes ces marchandises, ces ressources agricoles que vous allez vendre sur le marché mondial, il n'y a plus d'agriculture vivrière. Donc les gens sont partis de là où ils étaient pour aller à la ville et de la ville à l'immigration pour les plus courageux qui peut-être vont survivre à la traversée du désert et à la noyade. Voilà. Ça, c'est le cycle infernal. Ce cycle infernal, il est en train de se renforcer. Il n'est pas en train de diminuer. Il est en train de se renforcer. Et pas une fois, vous n'aurez entendu, dans les mesures proposées pour faire face à l'invasion migratoire, qu'on allait arrêter ça. Or pourtant, c'est la cause de toutes nos affaires. Alors, tout ça, je crois que c'est en gros notre patrimoine commun de compréhension, développé tout à l'heure de manière très brillante, point par point. Et moi, je ne me suis jamais senti pris à revers, ou quelque chose où nous soyons à revers de notre argumentation par ceux qui sont intervenus. Donc félicitations aux camarades de la commission, le travail est bien fait. Et on est dans le bon fil. Bon, maintenant, ne nous cachons pas les difficultés. J'en évoque 3, je vous promets de ne pas être trop long. Première, elle est culturelle. L'objet de la révolution est d'abord culturel. Car la société est faite d'êtres humains. Et les êtres humains ont des rapports entre eux qui sont des rapports faits de culture. Je ne cesserai de répéter qu'on ne se fait pas tuer pour un différentiel d'inflation, ce qui pourtant est une chose extrêmement cuisante, mais qu'on se fait tuer pour des idées beaucoup plus approximatives, telles que la dignité, la liberté, et des choses que personne n'est incapable de définir en moins de 3 ou 4 pages.